Hey, nous sommes avec Brieux Plessis, trois garçons du Racing Club Narbonne-Méditerranée. Brieux, grosse équipe aurillacoise et finalement, super victoire narbonnaise. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment une belle équipe Aurillac. On a su faire face quand même, même si on s'est fait un peu peur sur la fin. On retiendra la victoire, c'est le plus important, je pense, ce soir. Tu parles de peur sur la fin, puis finalement on a aussi cette fin de première mi-temps où les Aurillacois marquent encore un essai en bout de ligne. Et est-ce que les Narbonnais ont commencé à douter ou vraiment vous étiez dans le match et vous avez dit qu'il fallait repartir de la même sur la seconde? Oui, c'est ça, comme vous dites, on est rentré dans le vestiaire serein, vraiment pas d'inquiétude. On repartait comme si c'était 0-0. Après, Aurillac sont vraiment très efficaces, ils sont rentrés deux ou trois fois dans nos 22 mètres, ils ont scoré deux fois. On n'a pas su être à la hauteur sur ces deux actions-là, mais bon, le plus important, c'est la victoire ce soir. Même si c'est une anecdote personnelle, est-ce que Brieux Plessis est le roi des interceptions? Non, pas du tout. J'ai bien lu. Je monte un peu en rush parce qu'on est en sous-nombre. Et bon, j'ai la balle entre les mains et il n'y a personne qui me court derrière. Du coup, ça m'a souri ce soir. Juste une dernière question. On a senti les Narbonnais ultra, ultra motivés. On sentait cet avant-match et vous aviez préparé le match, je pense, à la perfection vu ce soir. Oui, c'est vrai que ça fait 4 semaines de trêve, c'était long. Durant toutes ces 4 semaines, on a vraiment travaillé cette réception d'Aurillac. Et on a su le faire parce que Justin nous disait vraiment qu'il fallait être patient ce soir. C'était une équipe efficace et qui avait de la patience et on a su être patient ce soir, donc c'est vraiment bien. Allez, j'en pose une dernière. Tu prends du plaisir, j'ai l'impression. Bah ouais, c'est que du bonheur. Je m'attendais pas à être là aussitôt. En tout cas, je pensais faire quelques matchs cette saison. Et bon, ça me sourit en ce moment. J'espère que ça va continuer durant toute la saison. Allez, on te remercie. Ciao, bye.